Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoolo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un tuto guide sur Call of Duty World War 2. Un tuto qui consiste à vous montrer les 5 emplacements enfin de l'atout masto, donc du gilet pare-balles, de l'armure. Et un guide pour vous montrer les 6 atouts de la map. Donc la première armure que je vais vous montrer, elle se trouve près du PUB. Donc vous descendez et vous allez ici. Donc ça c'est la première armure, elle se trouve là. Alors c'est derrière le spawn, hein. Donc le deuxième c'est juste en face du bunker. Donc en face du spawn. Donc dès que vous sortez, il se trouve juste ici. Le troisième c'est quand vous allez vers le laboratoire. Vous pouvez descendre par la mine de sel aussi. Donc c'est celui-là qui se trouve dans le tunnel de la mine de sel. Ensuite il y en a un qui se trouve juste au-dessus du laboratoire. Donc vous devez monter des escaliers et aller genre aller activer le petit bouton là. Mais là vous tournez à droite et il y en a un qui se cache juste là. Donc ça c'est le quatrième je pense que je vous ai montré. Juste en haut c'est les statues. Et le cinquième et dernier emplacement pour le bouclier, c'est près de la morgue. Donc juste ici, bah, c'est dans la morgue même. C'est juste ici en face de l'incinérateur, un truc dans le genre. Donc maintenant je vais vous montrer les 6 atouts de la map. Donc je vais commencer par double coup qui se trouve près de PUBG. Donc ici, d'armes, dégâts d'armes accrues, donc ça c'est double coup. Ensuite je vais vous présenter ben, tout simplement le quick revive qui se trouve au spawn, auto-réanimation automatique. Le troisième, il se trouve juste dans le trou que vous allez faire exploser pour activer l'électricité et rentrer dans le bunker. Juste ici, c'est courir vite, donc vitesse de sprint et endurance accrue. Le quatrième, c'est quand vous rentrez dans le bunker, vous montez les escaliers qui sont juste en face. Et là c'est un peu comme Slappy Taffy, donc ça donne des dégâts de corps à corps accru. Le cinquième, il se trouve juste ici près du laboratoire qui est rechargement rapide, donc vitesse de rechargement accrue. Et le sixième et dernier atout qui se trouve juste ici dans le laboratoire toujours, ce qui fait une attaque électrique en rechargeant votre arme. Donc c'est un peu comme Cerise de Black Ops 3. Donc voilà, je vous ai montré tous les emplacements des atouts et des armures. J'espère que cette vidéo tuto guide vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao, peace!